Hello, je te présente aujourd'hui une nouvelle enceinte. Alors, c'est emballé sous du papier cadeau, parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait. Ce qu'on va faire, c'est que je sais le modèle, parce qu'on le voit à travers. Hein, donc, c'est de la marque Creafunk. J'ai déjà présenté d'ailleurs un produit de cette marque-là, un petit réveil que j'ai sur ma table de chevet que j'avais acheté. Et c'est le A-Major Bluetooth Speaker. Donc, on va se regarder l'affiche sur le site. Donc de creafunk.fr, donc le A-Major 2, donc c'est une enceinte hein, qui a un certain prix, hein, comme vous pouvez voir, à près de 200 euros. Je vous montre la couleur verte, parce que de ce que je vois dans la version qu'on m'a offerte, c'est un peu un vert, j'aime beaucoup, sachant que voilà, il y a d'autres couleurs, hein, il y a noir, orange, donc le vert, un marron qu'ils ont plus l'air d'avoir, un peu ivoire, et une sorte de rose. Donc nous, c'est la version verte, on voit les différents visuels hein, qui sont plutôt sympas, vu de dessus avec un bouton moins plus et allumage, donc classique. Voilà le design qui est très sympa avec ces petites sangles en cuir, je pense. Voilà, mise en situation. Vraiment, je trouve très sympa. Donc une toute nouvelle version de l'enceinte A-Major classique, encore plus grande et meilleure et dans des couleurs joyeuses et magnifiques. Je suis d'accord pour les couleurs. Donc elle est plus grande de 8% de la version d'avant. Bon, ça, peu importe, c'est pas ce qui va changer. Vous pouvez même la recharger sans fil grâce à nos chargeurs Qi Charge. Donc a priori, on peut la recharger en sans fil aussi. Elle est IPX5, l'humidité n'est pas un obstacle, donc on ne peut pas l'immerger, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas de premier chiffre, mais elle supporte les éclaboussures. On peut a priori connecter plusieurs enceintes de ce type-là pour avoir une approche stéréo avec la fonction Stéréo Play TWS. Vous pouvez connecter deux enceintes A-Major tout et profiter de musique en stéréo. Temps de jeu et de recharge. Donc, on a une charge qui peut faire donc de 4 à 5 heures en USB type C. En recharge sans fil, c'est 15 à 16 heures. Et elle peut diffuser de la musique pendant 30 heures, ce qui est plutôt quand même pas mal. Elle est hydrofuge, conçue pour résister à l'eau, donc IPX5, ça on a pu voir. Les caractéristiques là qu'on peut voir, donc c'est du plastique 100% recyclé, donc plutôt sympa. C'est un haut-parleur de 40 watts. Donc a priori, on va en avoir 2 de 10 watts et un de 20 watts, avec donc des dimensions différentes au niveau des membranes. Temps de lecture, tout ça on a vu. Le stéréo play on a vu. Assistant vocal a priori également. Une batterie dedans de 4400 mAh. On peut se connecter en Bluetooth 5.0. Donc voilà rapidement la fiche article. Maintenant, on va l'ouvrir parce que j'ai eu ce cadeau-là. Je me suis dit, allez, je vous fais découvrir ce que je trouve cette marque très sympa. Donc on va déballer le petit papier cadeau. Donc c'est bien le modèle que je vous avais dit. Et le A-Major 2 ici, donc il est de la même couleur. Donc « The Stylish product is made from 100% recycled plastic ». Donc c'est recyclé avec du 100% produit en plastique. Là on a vu les éléments spécifications qu'on a vu déjà sur le site, les informations sur la société et donc... C'est la version verte, je pense que c'est adapté. Tout le packaging est adapté à chaque fois à la couleur. On va défaire les scotchs ici. On va ouvrir le packaging. On a un petit message ici de remerciement d'avoir choisi donc la marque et ce produit. On a sur le dessus une petite notice, petite manuel d'utilisation, d'allumage, les différentes fonctions, d'autres voilà sur le Bluetooth, ça devrait aller, c'est plutôt classique. Et après, à l'intérieur, on a un câble USB type C de recharge et notre enceinte et rien d'autre. On voit que c'est un papier aussi recyclé, le plastique, on va d'ailleurs la matière. Alors le vert, je m'attendais pas. Pas tout à fait à ce vert là, là ça fait un peu vert herbe je trouve, mais qui est plutôt joli aussi avec donc la sangle ici en cuir ou simili. On voit que c'est marqué sur le dessus Creafunk. On a nos différents boutons ici, si on l'allume là, voilà les patins anti-dérapants ici, les informations techniques et tout autour la grille. On voit que là, il doit être en appairage parce qu'il recherche un appareil. Donc là, on recherche s'il y a un nouvel appareil. Un A-Major 2.
Donc voilà, il l'a trouvé. Maintenant, je vais chercher la musique libre de droit pour m'éviter un strike par YouTube. Voilà, Best of 2019, musique libre de droit. D'ailleurs, petit élément ici, hein, la prise USB type C, elle est ici. On va voir, si je monte le son, est-ce que ça monte sur... Oui. Donc, toute logique, si je reste appuyé, ça va faire playlist suivante. Et playlist précédente, et là on augmente le son. Beaucoup les basses. Je peux vous le dire là sur cette musique où il y a beaucoup de basses, ça fait tout vibrer, donc il y a une vraie basse, vraiment très très bon son, très profond, vraiment. On sent la superposition ici des enceintes, on a vu qu'il y en avait deux de 10 watts, une de 20 watts, notamment pour les basses, les médiums et les aigus. Vraiment, ça fonctionne très très bien et en plus très quali. Alors, pas le déplacer partout. Mais c'est quand même super agréable. Voilà, je vais pas vous faire plus longtemps pour cette enceinte. Hein. Je peux que vous la recommander. Voilà, petit cadeau que j'ai eu. Je voulais vous le partager. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et abonne-toi si c'est pas le cas. Salut !